Le sexe de son père, c'est d'abord son père. Il me le mettait là où il faut, dans la cave en général. Il me tirait les cheveux, pendant 14 ans au moins. Et toi, Jaco, tu es peut-être son fils. Je pense que tu es son fils, pas celui de José. Tu ne veux pas avoir un nom de chicorée. Tu ne veux pas avoir un nom qui est aussi celui de la chicorée. Il buvait de la Mirabelle. On allait la chercher en Haute-Saône, à Villers-Excelles, le dimanche, chez Jules Marconnet, qui est un cousin par alliance. Tu devrais porter ce nom. Qui est aussi celui de la chicorée, puisque c'est mon nom. C'est surtout le sien. José, il s'appelle Guliez, il est portugais. Mais pourquoi tu aurais ce nom, Guliez? Puisque José, c'est le sien, c'est pas le mien. Je n'ai pas voulu à cause de toi. À cause de lui. Il m'a mis son sexe en me tirant les cheveux pendant 14 ans. Ça bouge plus, la Mirabelle. Ou l'eau des fleurs, quand on ne change pas l'eau. Quand ça a été un autre sexe, ou le sexe de José, je pensais toujours au bon moment à cette Mirabelle de Villers-Excelles. Et je vois même le panneau à l'entrée de Villers-Excelles, où c'est écrit justement Villers-Excelles. Et à droite du panneau, de l'autre côté de la route, il y a des maisons et des capucines dans les jardins. Je peux pas m'empêcher de penser à tout ça. À la tête du cousin Jules Marconnet et surtout l'odeur. Alors moi, l'odeur de la Mirabelle maintenant, j'ai chaque fois l'odeur. Jaco, tu n'auras pas ce nom-là. C'est fini pour moi l'idée de Villers-Excelles, que je connaissais bien avant, le sexe de mon père. Avec le château et les bois où on faisait des pique-niques avec maman. Il y avait des œufs durs, du lapin. J'aime bien le lapin. Maman mettait son camé. C'était un Villers-Excelles spécial. Comme si c'était un Villers-Excelles qui n'existe plus vraiment. Mais ça n'a pas changé beaucoup. Le château, c'est une maison pour les vieux. Avant, c'était le musée de la chasse. Et maman rêvait d'habiter Villers-Excelles. Elle disait que c'était mieux que Sochaux. Elle était comme quand à la télé, il y a de la danse. En transe. Elle disait, en voyant les maisons, elles sont joliment belles. Elle disait joliment, joliment. Elle était la seule à le dire. À l'époque, les mots, je les trouvais bizarres. Notre nom aussi, qui est aussi celui de la chicorée. Je disais évier, ou boudin, ou brindille. Et je voyais ces mots devant moi. Ils étaient suspendus devant mon nez. Je me disais pourquoi ces mots? Je me triturais la cervelle. Et lui avait déjà commencé petit à petit à me mettre de force son sexe là où il faut. Maman avait de pauvres joues. Elle avait bizarrement plus de joues d'un seul coup. C'était une femme qui avait des blondes avec des formes, de la coquetterie et des joues. Elle avait travaillé chez Marty à Sochaux, au cycle. Et puis Marty, ça allait plus. Elle s'était retrouvée avec ses quatre murs, mes frères étaient à perpète, mon père se tapait sa Mirabelle Marconnet le soir après l'usine Peugeot. Et alors, comme si elle avait eu une opération des joues qui lui aurait coupé les joues, elle a plus eu de joues. Elle mangeait sa soupe avec de la maïzena. Elle disait que l'estomac, je sais plus quoi, l'estomac c'était son problème numéro 1. Mais son problème numéro 2, numéro 3, elle en parlait pas. Elle était seulement sans ses joues. C'est bien que... quand on la regardait, son visage avait l'air autrement. Comme si on la voyait en biais alors qu'on la voyait de face. J'adorais ma mère. Elle a toujours dû savoir qui me mettait son sexe de force. Et ma mère, je croyais que sa vie était un secret. C'était un secret pour personne. Vu que tout le monde savait que Monsieur Leroux la foutait à la porte dans le jardin à cause de la Mirabelle Marconnet. L'histoire des joues de ma mère, c'était liée à ça. À Marty, à mon père, à Sochaux, à son estomac. Elle se taisait, elle disait rien à personne. Si bien qu'elle pensait qu'elle avait un secret, mais c'était pas un secret. Elle a fini par plus parler du tout et par claboter un 15 août. Elle avait voulu d'abord se pendre avec une cravate à mon père. Essayer de mourir. Mais la cravate, c'était pas du chanvre, c'était du coton, elle a pété. Ma mère, elle a dû avoir un choc mortel parce que deux jours après, elle était dans le coma. Jaco, dis à ta mère que tu lui en voudras pas de ce qu'elle fera. C'est ta toxicose qui m'a rendue comme ça. J'ai peut-être interprété toxicose. C'était encore un mot qui me pendait au nez. Et ce mot, la toxicose, était écrit en très grand. Et à partir de là, c'était foutu. Toxicose, ça a été trop. Ils m'ont dit, mais tous les enfants ont une toxicose. Mais non, c'était un signe. Ça me faisait comprendre la fatalité. C'était l'enfer, d'après mes calculs. C'était possible, d'après mes calculs. J'aurais voulu revenir à l'époque de Villers-Excelles. Tout au début, avant les dégâts de la Mirabelle. Et voir le panneau à l'entrée de Villers-Excelles. C'était juste au moment où on voyait marqué Villers-Excelles qui me plaisait. Juste une minute, j'étais heureuse. Je voyais marqué Villers-Excelles et j'étais heureuse. Et avec José, je lui dis cajole-moi. Cajole ta tita. L'odeur de la bouche de José, ce serait plutôt une odeur de pain d'épices. Mais pour s'enlever de la tête l'odeur de la Mirabelle, je me dis, c'est bien José. Ses cheveux, ses épaules. Mais il me faut un temps pour me dire que c'est bien José. Il est si sensible depuis son opération, il me cajole. Comment faire quand on sent la Mirabelle à la place du pain d'épices? Quand on n'oublie pas? José, il va bientôt être P3 chez Peugeot.
Comme si je pouvais lui dire la vérité. Comme si je pouvais lui dire. La mère à José avait écrit à José que son toit déconne et c'est à cause de ça qu'on en est là. Il est allé chez sa mère réparer le toit et mon père m'a appelé. Je lui ai dit, bon, je te fais la soupe à cause de ta flébite. Soi-disant, il voulait de la soupe. Il me voulait moi. Et encore, il s'en souvenait. Et j'ai compté 10 000 fois, il n'y a rien à faire. Entre le jour de la soupe et la toxicose, il y a eu 9 mois. Il m'avait fait tellement mal au bras que je lui disais, mais tu l'as ta flébite ou t'as pas de flébite? José est revenu le lendemain, le toit était réparé et on s'est retrouvés au lit. L'après-midi, le soir, le matin et pour une fois, j'ai pensé plus au pain d'épices qu'à la Mirabelle. Après, les certificats de grossesse, je les ai laissés traîner pour que José comprenne. Je pouvais pas lui dire. Je pouvais pas. J'avais peur. Mais non! José, il ira pas regarder des certificats qui sont pas à lui où c'est écrit Mademoiselle Leroux. Je pouvais pas lui dire la vérité. J'avais peur. Quand il a compris qu'il allait avoir un enfant, il a téléphoné à sa mère illico. Il était fou quand t'es arrivé, mon Jaco. Il a pleuré. José a pleuré. Alors, la vérité, c'est pas pour José. Certificat qu'aurait jamais dû être. Faut le laisser tranquille. Faut le laisser tranquille.